Salut la team gourmand, j'espère que vous allez bien. Alors, il semblerait que l'esprit de Noël se soit installé dans ma maison. Effectivement, ça y est, je commence à faire débrédez-le. Les boîtes se remplissent doucement mais sûrement et je commence les distributions autour de moi. Allez, on commence aujourd'hui avec cette première fournée de sablé damier. Vous allez commencer par mettre 250 g de farine dans la cuve du robot. Vous ajoutez 100 g de sucre, une cuillère à café de levure chimique ainsi que une pincée de fleur de sel. Vous mélangez une ou deux minutes, mais pas plus. Vous venez maintenant incorporer progressivement 150 g de beurre pommade. Naturellement, c'est la feuille que vous utilisez pour le robot. Vous pouvez ajouter une cuillère à soupe d'alcool. Personnellement, je préfère mettre une cuillère à soupe d'eau. Votre boule de pâte va se former progressivement. Attention parfois, en fonction de la température de la pièce ou de la température des ingrédients, vous allez juste avoir du sable. Dans ces cas-là, c'est pas grave, vous abandonnez le robot. La chaleur de vos mains va faire le travail et vous allez obtenir ce résultat. On divise la pâte en deux. Dans une moitié, on incorpore 30 g de cacao non sucré. Et voilà ce que vous devez obtenir. Vous allez emballer chaque pâton dans du film alimentaire. Mais alors attention, on ne filme pas au contact. On veut que la pâte ait de la place autour, pour pouvoir être étalée sans aucune difficulté. Nos pâtons, on les étale sur une épaisseur de 1 cm. Si comme moi, vous n'avez pas de guide, moi je me sers tout simplement d'aiguilles à tricoter qui font 1 cm de diamètre. Et c'est parti! Vous essayez de faire un pâton le plus rectangulaire possible. Vous rabattez les extrémités à la main, vous formez les angles. Quand c'est terminé, on filme cette fois-ci au contact. On va faire naturellement la même chose avec le pâton au chocolat. Quand c'est terminé, direction le réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Il faut vraiment que votre pâte soit bien dure. On récupère ensuite, on déballe, et oui, c'est pas encore Noël, mais on déballe déjà les cadeaux. On va venir badigeonner la première pâte avec de l'œuf battu. On appuie pour bien souder les deux pâtons. Mais alors attention, on n'appuie pas trop fort parce qu'on ne veut surtout pas les écraser. On détaille les bords pour qu'ils soient bien droits. Voilà, pour le visuel, il est vraiment important que la pâte nature et que la pâte au chocolat aient la même épaisseur. Et là, on va détailler des bandes de 1 cm tout simplement. Alors, j'aurais pu commencer sur un bord. Ne me demandez surtout pas pourquoi j'ai commencé au milieu, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, vous détaillez vos bandes. On va les coller à l'œuf battu en alternant les couleurs. En fait, c'est vraiment très important que votre pâte soit bien froide pour la manipuler, pour l'appuyer légèrement sans l'écraser. Naturellement, vous faites bien attention d'alterner les couleurs.
On fait exactement la même chose avec les autres bandes. Et il ne reste plus qu'à assembler le tout pour avoir un joli carré. Vous l'avez compris, on filme de nouveau au contact et c'est reparti au réfrigérateur pour une bonne heure. Quand le pâton est bien froid, il ne reste plus qu'à détailler des tranches d'un centimètre d'épaisseur. Voilà le damier que vous devez obtenir. Si vous respectez bien les dimensions, il doit être régulier. Vous allez ensuite les déposer sur une plaque de cuisson et les cuire 8 minutes à 160 degrés. Attention, espacez-les plus que moi je ne le fais sur la vidéo, j'ai failli avoir des problèmes à la cuisson. Voilà donc ce qu'on obtient à la fin, un joli petit damier gourmand, on n'a plus qu'à croquer dedans pour accompagner un chocolat chaud, un thé ou un café, je vous laisse choisir. J'espère que cette recette de Noël, ces premiers bredelleux vous plairont. Je vous dis à très vite parce qu'ils ont plein de petits frères qui vont arriver en vidéo. À très bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort.